Vous devez respecter la présence sainte de Dieu dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église par formalité. Il y a des chrétiens qui partent à l'église pour vivre la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous allez à l'église catholique, il y a ce qu'on appelle le respect du sanctuaire. Il n'y a pas Dieu, mais il respecte le sanctuaire. Quand on aura le respect de ces sanctuaires, Dieu sera présent. Regarde à la personne qui est près de toi, dis-lui, tu dois avoir le respect du sanctuaire. Ferme tes yeux. Saint-Esprit. C'est la première église que je veux prêcher pendant le parcours de ma mission en Europe. Seigneur, que ta gloire couvre ma vie. Seigneur Dieu, que ce message transforme ce peuple. Que le Shekinah de Dieu qui accompagne mon ministère. Et toute le vertu de Dieu qui accompagne mon ministère. Que l'onction du supernaturel. Et par quoi y a vous allez s'amuser les colo coléka? L'onction de l'édification. Et par quoi y a vous pas colamment? Accompagne ma langue. Et tant que le monde n'aime pas l'anglais. Tu es un Dieu de miracles. Aux anges abîmés moi. Je revive le miracle dans cet auditoire. Allez n'abîme abîmés moi quand tu ne sais pas. Et je finirai cet auditoire avec des gens convertis qui font
c'est donné à toi. Ben na kosili sakati ne siko na bato ba ko bongwa na pe ba ko luka ko suki sa na ko salela. Au nom de Jésus, na kombo na Yesu, toute force tikete makasi nyoso qui ne confesse pas la gloire de Jésus. O ezotato la nkembo na Yesu te. Qui vient pour s'opposer. Oye yepo na ko telemela. À la volonté suprême de Dieu. Na mokano ya likolo ya Nzambe. La Bible déclare. Bibili etato li et tout lien que foulera la plante de mes pieds. Et de sika nyoso bitanga ma ce lieu me sera donné comme possession. Et si on est coupé, ça me que l'onction de Dieu si que pas quoi dans Zambé, qui est sorti du temple, oye, bimi katina, selon Ézéchiel 47, Ézéchiel, qui envahissait le temple, oye, la temple, Bible dit elle est allée toucher la mer morte. Bibilia kende elobi te kende ko simba mali kufa. Elle a donné la vie au poisson mort. Pepe si bomo ina bambisio bakufa. Je crois ce soir. Na ndimi butu ya lelo. Et la parole qui sera prêchée. Et elle lobo ekote ya ma. Ça brisera. Ya ngwe ko bebisa. Toute loi de la malédiction. Mi ben ko nyoso ya bolaki la mitabe. Toute loi de limitation. Mi ben ko nyoso ya bosuki. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Que le ministère des anges soit libéré au nom puissant de Jésus. C'est prier. Amen. Amen. Regarde la personne qui est près de toi, dis-lui que tu ne sortiras pas d'ici de la manière que tu es entré. Que Dieu bénisse. Je suis très très content quand je me retrouve avec une personne qui m'a été toujours trop chère. Il est toujours trop cher. On se rencontre toujours avec lui pendant la mission. Ah, tu kuta na kanaye kaka tangwa musala. Je me rappellerai quand je suis allé à Kafufu. Na kanisi suta unakenda kana Kafufu. Prêcher dans une église Sion. Na kende kote ya na ema moko Sion na. Et pendant que je prêchais, je le vis. Et tangwa na zai kote ya moni muto ango lisusu. C'est un frère, c'est un ami, c'est une famille. Aza molinga mikati na Kristo aza ndeko aza penza ndeko ya libota. J'ai enseigné dans cette église pendant 21 jours. Nazai kote ya na ema wana na kolenza na mikolo tuku mi balela moko. Je me suis dit je ne prêcherai que 2 semaines et la dernière semaine je vais lui laisser pour qu'il prêche. Ah na obi na te aka ba poso mi balé po poso moko ya suka na otike la epo eta. On a été béni dans l'église. To pambola maki penza na ema wana. On a pris le bétail de guerre. To zui ma kasa na biso ya tumba. On a partagé. To kaboli. On nous a donné de l'eau. La pesi biso wolo. Il a pris sa part. A zui eteni na ye. Et nous avions continué. Pe to kobi nzela na biso. Donc, l'année passée quand j'étais en Europe. J'ai pas eu l'opportunité de le voir. Quand nous avions pris le contact, Pasteur Géry m'a parlé de lui. Ah, Pasteur Géry a lobé linga na tina na ye. Vraiment un homme de prière. Que Dieu bénisse. Tikete nzamba pambola. Le révérend Pasteur Matoma. Morungu na Nzambe Pasteur Matoma. Que Dieu t'amène encore très loin dans Nzambe ame maoli susu mosika. Je ne serai pas ingrat. Na koza la penza kozanga makanisite. Toutefois présenter une personne qui a permis que je sois ici. Kozanga lisusu kotali sa na bino motomo ko asali li bakupote na komawa. Sans lui, je ne pouvais pas connaître cette église. Ah, ce que ça m'a dit, c'est que je ne pouvais pas aussi connaître le prophète, le pasteur Géry. C'est vraiment une famille pour moi. Et ça, c'est une bonne famille. Ce sont eux qui sont en train de m'orienter dans la mission ici. Ah, et ça, c'est une bonne famille. C'est un grand homme de Dieu. 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 L'apôtre Didier. Ah, Thomas Didier. Et Dieu. Et dans la mission, je ne suis pas venu seul. Je marche avec ma femme qui est plus jolie que toutes les femmes. Ah, nazotambola na mwasi na ngai oza kitoko koleka basi nyonso. Amen. J'ai dit, on va laisser un peu l'église.
Il y a un prophète qui est de la Côte d'Ivoire qui est en train d'enseigner à l'église, mais je vais faire la mission avec toi. Ah, na obi dorotika non, eh maloba mosakoni moka uti na côté à Côte d'Ivoire, bazakuna abate na pa bate la até à l'église. Quand vous faites la mission avec votre femme, vous êtes équilibré. Ah, obi tango zo sala mosala to etinda na mwasi ne longo oza penza ya kopema. Yo côté à ne pas quoi. Moi, c'est un homme qui toco. Ma complice. Ah, mon ton amour est beau, Kanye. Ma collaboratrice de l'église. Donc, mon ton amour est beau, dans l'église. La pasteur Zizi va s'élever. Ah, mon bon ensemble, pasteur Zizi. Que Dieu bénisse. Tu peux t'asseoir. Maman. Je m'appelle Patou Mafuta. Ah, bah bien, mon bon ensemble, na komboya. Patou Mafuta Zola. L'église que je dirige s'appelle Mi Fadi. Ah, Ecclesia Oyoya Kambaka Kombo Nango Mi Fadi. Et Mi Fadi signifie la mission internationale de faveur divine. Ah, Mi Fadi, les amis de l'Igoloba, Moussalato et Tinda et Mokilimo Bimba, Pona, ba famille, Namakamanza. Vraiment. Pour la faveur, pour la Bolamu Yanzambe. Ah, ça m'avait échappé. Ok. Alors, l'église est située dans un quartier qui s'appelle Kalatona. Ah, l'église est Zouami Bongona. Si Kao Riotona, quartier va bien Kalatona. Et une église qui va totaliser 2 ans au mois d'octobre. Ah, l'église est Koko Kisamboula Mi Balé, Nansanza Zomi. Mais Dieu est en train de faire deux merveilles. Ah, Kasinzambe Azokoba Kosala Bola Mumingi. J'aimerais que ces merveilles aussi passent dans cette église. Na lingi ete bolamu wana pe eleka na eklesia oyo. Que Dieu bénisse votre présence. Tikete nzamba pambola kozalisa mina yo kati. Je veux prêcher sur le Dieu de l'impossible. Na koteya na nzela ya nzambe oyo ya pasi. Je prie Dieu. Na bonde laka. Je prie Dieu. Na bonde laka. Na zo bonde la nzambe. Na zo bonde la nzambe. Que mon passage ici était soit un ascenseur qui montera pour toujours dans cette église. Et ça l'appelle loco et comment taper comment disait sous ma casse église. Pourquoi Dieu m'inspire sur ce terme le Dieu de l'impossible? Pour la nini nzambe azomne mangaina matea oyo nzambe akozanga makoki. Tous nous savons que Dieu c'est un être suprême. Un être qui vit par lui-même. Qui ne dépend d'aucune source. Quand nous parlons de Dieu, en hébreu, Dieu signifie Adonai. Ce qui veut dire le Dieu créateur. Vous allez m'excuser avec beaucoup de temps de l'Angola, il y a les Portugais qui vont un peu dominer ma langue. Ah, mon limbi ça peut être comme la mingi d'Angola, le côté portugais qu'on banda kobima. Et là, à l'église, on prêche qu'en portugais. Ah, peut être kuna tote ya kaka na portugais. Adonai qui est créateur. Adonai yo azamo keli. Nous voyons l'omnipotence de Dieu. Tomoni bozali sami nzambe. Nous voyons l'omniprésence de Dieu. Tomoni bozali sami susu nzambe. Nous voyons la puissance de Dieu. Tomoni nguya ya nzambe. Pourquoi nous parlons sur la parole impossible? Bona nini tozolo bela sur le ba oyo kozanga makoki. Le mot impossible. Kozanga makoki. C'est une parole qui accompagne toujours les êtres humains. Ezama loba oyo dambo la ke longona bato ba. C'est la conception humaine qui parle toujours de l'impossible. Quand nous parlons de l'impossible, c'est quelque chose qui est irréalisable. Quand nous parlons de l'impossible, c'est quelque chose que tu ne peux pas dompter. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui n'a pas eu un commencement et qui n'a pas eu une fin. Quand nous parlons de l'impossible, c'est quelque chose qui n'a plus de l'espérance. Maintenant que la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Je pensais que tu pouvais dire très fort. Ah, la Amen.
Matissa, Matissa, Matissa. Accélère un peu avec toi. Matali Soussou. Amen. L'impossible. Osanna Makoki. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nini Biblia l'obéli disso. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Fungola sika Biblia na yo. On va lire Matthieu chapitre 19 verset 26. Nous avons entendu à Matthieu dans le mois Zomi na Libwa. Et Luc chapitre 1 verset 37. Pe mokande Luca mokapoya ya mbono molongo azumi tukumisato na motoba. Jésus leur dit, en vérité je vous dis, Yesu alobi na bango na bosolo na lobi boye, que vous qui m'avez suivi et de bino ba oyo bolandi ngai dans la régénération na bom na ebokitani asika. Dans Matthieu 19, verset 6, hein, j'ai lu un autre verset. Jésus, le regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Il y a une personne qui peut dire amen. 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 Balance un peu ta main droite, dis avec moi, amen. Amen. Jésus, le regardant, yes, talibango, leur dit, allô, biboye. Et pas dans bateau, cela est impossible. Il y a moins dans ma coquille. Quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Et l'eau cognon, c'est dans ma coquille à Kosalena. Luc chapitre 1, verset 37. Moukanda et Luca, Moukapoyambo. Car rien ne sera impossible à Dieu. Pambate et l'eau cognon, côté que Kosalena, ma coquille et pas dans Zambé. Je commence avec ma prédication. Toi tu vas lire ça à la maison. Dans le livre de Luc chapitre 1, tu vas commencer avec le verset 28. Je peux t'aider à faire la lecture. L'ange étant entré dans le lieu où elle était, Angelo a continué dans l'ako ya Maria. J'étais sali. Pour toi qui es reçu en grâce. C'est Pela Pamba te yo tondi sami nankembo. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Zamba Zalina yo pe yo pambo la mikati na basi. Lève ta main droite, dis avec moi, je serai béni entre les femmes. Tombola Roko Koloba. Je serai béni. Fais ce que je suis en train de te demander de faire. Il y a quelque chose qui va se passer. On fait ça avec moi. Dis avec moi, je serai béni entre les femmes. Et quand elle l'eut vu, elle fut fort troublée à cause de ses paroles. Elle considérait en elle-même quelle était cette salutation. Et l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras en ton ventre, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils souverain, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment arrivera ceci? Touche la personne qui est près de toi, dis-lui, comment arrivera ceci? Le lengenini yamwe kokoma. S'il te plaît, fais ça avec foi. Alléluia. Seigneur, où est la parole d'aujourd'hui? Au nom de Jésus. Sois sensible, écoute-moi. L'impossible. Ce n'est pas un vocabulaire divin. Ezali maloba moko te uti na bonzambe. L'impossible. Kozanga makoki. Ce n'est pas une confession divine. Ezali mota toli moko te ya bonzambe. La Bible dit. Bibili eta toli. Ce qui est impossible aux hommes. Oyo ezangi makoki epai na bato. Ce qui est irréalisable.
mal aux yeux des hommes. Oh, et quoi qu'il constate matin à mise sur bateau. Ce qui ne peut pas se réaliser. Oh, et quoi qu'il te constate mon ami sur bateau. Ce qui n'a pas trait à une solution. Oh, et Satan en zèle à couper ses annotés. Avec Dieu, c'est possible. Donc, on est dans un bazar à ma coquille. Je vais donner un petit témoignage tout de suite. Mais n'a pas sali tato lié à mon caisse. Il y a une soeur qui prie dans mon église. Elle est arrivée l'année passée. Et ça, on ne commence pas à s'embêler dans l'église. Elle a comment qui n'a moulé le qui. Cette fille, elle a fait sa première fille, l'unique fils à l'âge qui a l'âge de 18 ans. Ah, on ne voit pas tamona na emo koka kawana oza na bambula tata ebisiliso. À 18 ans d'âge, na sanza na ye azomi na mwambe, le mari l'a abandonné. Mobali atiki. Le mari a dit, tu ne veux plus d'enfants, moi je ne veux plus de toi. Et la femme est restée. Et moi c'est Atikali. Pendant son témoignage dans le Facebook. Elle a marché dans plusieurs maisons des ténèbres. C'est le féticheur. Et c'est le médecin traditionnel. Et pas il n'y avait pas de solution. Et le médecin lui dit. Tu n'enfanteras pas. Quand elle est venue me voir. Elle n'avait pas un mari. Elle n'avait pas un copain. Moi, j'ai commencé à prier pour elle. Elle n'a pas encore totalisé une année. Et après quelques temps de prière, elle me dira qu'elle a connu un homme. Elle s'est sentie pas bien. Elle est allée à l'hôpital. Akeina hôpital. On a dit qu'elle était enceinte. Mokumba. Même le médecin consultant. Tango munga manena talaka ye. Il dit non, c'est impossible. Alobi ezana nzela te. Comment est-ce que toi tu peux avoir un enfant? Lo lene ninyo koy kobota lisusu. Elle vient. Aye. Moi je l'ai dit. Ngana lobi na ye. Tu vas attendre. Yoko zela. Après 3 mois. Na simeba sanza misato. Tu feras l'échographie. Oko kende lisusu e pas minga. Moi je sais que c'est un enfant. Ngana ebe taza mwana. Et comme ça tu passeras. Pena sima yoko. Tu pourras venir témoigner. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Ah, nzamba pamola mosali na nzambe moninga. Alléluia. Amen. C'est alors. Na tango wana nde. Après 4 mois. Na simeba sanza mini. La femme va faire l'échographie. Moi ça qu'elle est sous l'hôpital. On trouvera qu'elle est grosse de 4 mois. Ah, bakuti etaza na mokumba ya basanza. A quel donné ce témoignage à l'église? Na moye kopesa litato li l'église. Ils ont pleuré. Parce que selon les médecins, elle était déclarée qu'elle ne fera plus d'enfants. Mais selon Dieu, Dieu a créé un chemin de la possibilité. Je prie cet après-midi. Avec foi, la chose qui demeurait impossible, avant que je finisse ma prédication, ça cédera la place à la possibilité. Je croyais que tu pouvais dire amen. Accompagner cette parole prophétique. Il y a des aigles ici dans l'église. Tango kawa en église. Il y a des aigles. Ezala mpongo awa na. Tu es un aigle. Ah, uza mpongo. Tu dois te préparer à saisir ta proie. Esengeli omibongi sapona koza mosenga. Yoka sikonsa ngomana. Moi je lo aye. Prenez les choses. Yango haleluya eloko. L'impossibilité. Eloko ezanga makoki. Ne peut pas se changer la possibilité. Yango kokete kobongwa na na makoki. Si tu ne crois pas la faveur. Soki ozui bola mute. La première clé qui ouvre le chemin de la possibilité vers l'impossibilité, c'est la faveur. Il y avait plusieurs vierges, il y avait plusieurs femmes dans la cité de Bethléem. L'ange Gabriel n'est pas parti partout. Mais la cible est une vierge. C'est pris cet après-midi. Pendant que tout le monde pleure en Belgique. Et que tu sois la cible de la faveur de Dieu. Et que tu sois la cible de la faveur de Dieu. Et que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Tu ne peux pas savoir la réalité que tu en dirais.
Kamoni ni yomo. Que ce soit. Asi poko e lo. Bola mu na nzambe ye pa ina. My God. Zambe. My God. Zambe na ma. Libili e lobi na ngai. Sure. Dans une cité. Namboka moko. Il était appelé Bethlehem de Juda. Na tenga mo Bethlehem de Juda. Une femme. Mwasi moko. Elle était appelée au nom de Naomi. Yeko mo de ba benga ki Naomi. Dans une cité. Ya zazi mo kazo. Quitté la ville. Allo mo na moko. Avec son mari. Na mo bali na ye. Parce que la cité passait, la famine. Elle a pris ses deux enfants. Ils arrivent dans la cité de Moab. La Bible dit que ses enfants vont épouser les Moabites. Et à un moment donné, Elimelech, mari de Naomi. Signifie l'éternel est roi. Ah, il me l'a dit que c'était un. Il va mourir. Il y a Koufi. Et les enfants vont mourir. Mais pas n'a pas Koufi. Après quelques temps. Asimé Bantango. Après quelques temps. Asimé Bantango. La Bible dit. Biblia Limpoli. Naomi a entendu. Et Naomi a yoki. Que Dieu avait visité sa terre par le pain. Nzambe a tala kimboka na ina mapa. Oh, la réalité. Zoka na bosolo. Bethlehem. Signifie en hébreu. Bet. C'est la cité. Et ça m'boka. Et quand on parle Lehem, dans ma zone, on va Lehem. Ça signifie la cité de paix. Yamo le ximboka ya kimia. La cité de paix. M'boka ya mapa. M'boka ya mapa. Mapa. Tu connais bango va vana na cité ya mapa. Mais quand vous allez commis, Batiki cité à Mapa, parce que vous allez Moab. Place au Bakalisa qui va rejoindre les fiches, nous allons péter si Bango y a pas si, y a volé comme Mapa. Moba y a Koufi, Banabé Bassalini, Bakoufi. Mais la Sima Mikolo, ça n'a omi à gêner. Ça n'a omi à Sambela. Ayo qui cité y a Bethlehem, libre son qui. Nazo prophétisé n'écrit son yo. Matarico chakara. Nayami makabo salamate. Mais la sima nanga koleka. Sogi nasa moto nanzami. Mapo e kimake konsonga. Amen. Et ça le loko moko ma moto la yo. Mais ta ou la solo ba. Bato yo ma moto la yo. Bangote ma kozon ki sera yo. Mais nza pa kozon ki seroni pasika. Tikata una solo bali po e bunga ke songa. Tikata una so sa kola li po e bunga ke songa. So ke sa li bala no moto be ba kita una solo ben songa. So ke sa la bo su le be ba kita una solo ba e songa lo be songi. Songi. Le no na o so ani paraka. Naomi, elle a écouté cela. Naomi a yoki sangoana. Bien-aimé en Jésus-Christ. Nous passons beaucoup de temps gênés. C'est bien. Nous oublions la clé de toutes choses, c'est la faveur de Dieu. Car la faveur est sur toi. Toutes les portes vont souffrir. Tu ne forceras rien. C'est un petit témoignage. Quand je suis arrivé au Portugal, c'était quand, chérie? Le mardi. Ah, na koma ki na Portugal mon colami balé. Mais je n'ai pas prêché. Ah, na te agité. Je vis une surprise. Na moni ogla mon moko. Que je vais témoigner quand je vais arriver à mon église. Ah, on a potato la temps on koma na église ya nangai. Je voulais commencer la deuxième extension de mon église à Saori. Na lingaki na fungula église ya mosusu ya ngai kuna na mboka Portugal. Quand je suis allé Saorim. C'est une province à Lunda Nord. Ah, en Angola toujours. Quand je suis allé, dans on a commis, je ne fais que 3 semaines, j'ai gagné plus de 150 personnes. Na salika ba mposo misato na bato ba commis mele penza. Maintenant, j'étais un peu déséquilibré. Kasi na zanga ki lolenge ya kokandisa makambo. Puisque je n'ai pas encore totalisé une année, c'est avant que l'église totalise une année. Ah, ezaki ya mbote église ça la mbula moko. Et maintenant, je me suis tiraillé que je laisse l'église. Mais que je reste à Saorim. Mais quand j'étais à Saorim, on me parlait d'une femme très bénie à Saorim. Ah, na comme ko tata banana zo batena tika ya kalato na vanda ya sika. Kato na koma ki na mboko na bazai ko bete ya ngali sulo mwasi moko. Regardez ce
que Dieu fait. Tala nenginza makamunza mbasa. Une de mes filles, moko ya bana nanga ya basi, elle m'amène dans la maison à Portugal, la maison de la femme que moi je cherchais à voir à Luanda. Ah, a meminga ina moko ya Portugal na ndako ya mwasi yonga zaikoluka kukutana na Angola. Et quand je parlais avec elle, je savais pas que je parlais avec cette femme que moi je cherchais. Ah, ta wana zaikosola na yonga na yeba kite zaiki mwasi yonga na zaikoluka. Quand on a fini tout, cette femme me dira. Moi, si on a le bilan, parce que moi, je te connais. Parce que nana je t'ai vu déjà prêcher à Saori. Je t'ai vu prêcher dans un dé. Moi, si j'ai cherché comment te voir. Je vais revenir ici à Portugal le 10 juillet. Et je vais te recevoir. Elle m'a passé son numéro. Elle m'a donné ses données. C'est une femme influente. C'est pour dire que quand le temps de la faveur arrive sur toi, l'ennemi ne saura plus te contrôler. L'activité de Dieu lui-même. Marie a trouvé grâce. Marie a vu mon loup. Que cette nuit, que cette soirée, pendant que tu es entré, sans grâce, je te tournerai un homme gracieux. Une femme gracieuse. Écoutez-moi la bonne nouvelle. Maria, fais la rencontre avec Dieu. Car la faveur de Dieu sur toi. C'est ce que tu penses recevoir auprès des hommes. C'est ce que tu penses recevoir auprès des humains. Tu ne le recevras pas. Ça sera la propre intervention de Dieu en toi. Cet après-midi, ce soir, si je prie Dieu qui s'incarne et qu'il vienne à toi à ta rencontre. Qu'il s'incarne et qu'il vienne à ta rencontre. La Bible me dit, l'ange m'a salué Marie. Moi je l'ai appelé Marie en beauté. Elle est l'ange Marie. Père Lobina est un jour. Après avoir l'éloge, l'ange va lui annoncer une chose. Moi je l'ai colobé comme tu as été choisi. Yo ponamaki. Au milieu de plusieurs femmes. Na basi ebele, je viens te dire. Quelle que soit la réalité que tu es en train de vivre. Ate makambo yo zobika. Quel que soit le problème que tu es en train de vivre. Ate makambo yo zanango. N'oublie pas. Bobo sanate. Que tu es le choix. Et toza bo la concrétisation de plusieurs choses de Dieu. Ya koko kisa makambo ebele. My God. Si je me vois. Soki na zombi mona. Et je vois là où j'étais. Et je vois là où je suis en train de partir. Je ne suis pas encore arrivé. J'ai dit Dieu est grand. Et répète, Dieu est grand. Tu as besoin de la faveur. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Je ne veux pas savoir sur ton problème. Mais je vais lancer un défi. Et avant que je termine le dimanche, il y aura un témoignage qui va se réaliser dans ta vie. Je pensais que tu pouvais dire amen pour que tu prennes cette parole. Maintenant, le grand problème, Dieu pose la question à Marie. Avant d'arriver à la question, Dieu dit à l'entremise de l'ange, Marie, de toi, Nakati na yo, naîtra un fils. Moi, na moka mobali ya kobotama. Un fils. Ouf, moi na mobali. Moi, je suis vierge. Ngai nazali na yedi mibali te. Je suis fiancé. Ngai nazali na mobali pembeni. Et ma famille a une très bonne réputation. Peni bota na ngai bazala nsango to lokumu ya malamu na mboka oyo. Marie dit. Maria lobi. Comment cela se réalisera? Lo lenge nini yango ekosalema? Le problème de Marie, likambo ya Maria, ce n'était pas la prophétie. Ezalaki te lisakoli. Le problème de Marie, likambo ya Maria, ce n'était pas le message. Ezalaki te maloba. Mais c'était quelles sont les tactiques que Dieu prendra pour réaliser la prophétie? Ezalaki te lo lenge nini nzamba kosalela makambo yango po ete lisakoli ekokisama. Albert, my God.
Il y a quelqu'un qui peut me dire amen. 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 Je serai enceinte, mais comment cela arrivera? Mon bal est mort au Outa. Et le monsieur sortira tout. Ça entrera comment? Il y a moins qu'on compte à l'ennemi. Il va toucher sur la couverture du Saint-Esprit. Il y a de la simba na bo simba mi amoli mon sang. C'est que tout le monde presse sur ça. Na ibete motonyo sa bonne. Je vais toucher une chose particulière. Dans la na simba loko moko ya bokeseni wana. Mais cela, comment ça se réalisera? Si amolo l'ennemi ni ko salema. La première des choses. Loko ya yambo. Quand Dieu commence à traiter sur la loi de l'impossible. Dans mon zaba bani ko sala likola mon père ko zaba. Pas le même chemin que le son. Merci. Je ne prends pas la même nature que les autres. Je ne prends pas la même pensée que les autres. Toi, tu es là. Je t'ai dit toujours. Pour que je prenne l'accès. À ma résidence, je dois passer par ici. Des chemins. Ça ne sera pas les chemins que Dieu prendra pour réaliser l'impossible. Regarde la personne qui est près de toi. Tala moto aza pembeni to ngambo na yo. Dis-lui, Dieu ne prendra pas tes chemins. Nzambe akozwaka banzela na yo te. Ozomona ba calcul o beta bate. Tu vois des calculs que tu fais là. Non, c'est là le cas en monde parce que oui. Ah, j'attends seulement les revenus de quand ça rentre. J'achète des chaussures. J'envoie ça au pays. Ah, directement tu tombes malade. L'argent part pour les traitements. Le chemin que Dieu prend pour réaliser l'impossible, ce ne sont pas les facultés humaines. Dieu ne prendra jamais tes papiers pour réaliser ta gloire. Dieu ne prendra pas tes mensonges pour réaliser sa gloire. Dieu ne prendra pas parce que tu es auprès de ses maris pour réaliser ta gloire. Dieu prendra les pensées qui sont au-dessus de tes pensées. Change ta manière de voir les choses. Dieu changera sa manière d'opérer en toi. Cela se réalisera. Impossible. C'est la loi de la nature humaine. Tout humain. Voir impossible. Si je commence à poser des questions à l'église, vous verrez. Sur 100 questions, il y aura toujours l'impossible. Il y a quelqu'un qui croit. Ah, il y a quelqu'un qui croit. On va commencer. Tu crois que tu peux voyager d'un pays à un autre sans passeport? Réponds-moi. Tu peux être professeur d'université sans passer à la faculté. Tu peux aller demander un crédit bancaire sans emploi. Regarde-moi ici. Tu peux conduire une voiture sans carburant. Tu es capable. Je ne parle pas de la sorcellerie. Même les sorciers. Ils n'ont pas la capacité de voler. Avec des marchandises. Nabi loko arrivé dans un autre pays. Peba komi na mboka mosusu te. Tu as déjà vu ça? Yo si omona yango. Si tu es sorcier. Soko zandoki. Tu as des colis chez toi. Ozala biloko ebele. Tu dois envoyer à la famille à Kinshasa. Et singelo tinde yango na libota no na Congo. Essaye un peu de voler avec ça. Mais kana nuko pumbuka na yango elongo. Mais vous verrez que le sorcier. Yo omona ete bandoki. Ils peuvent voler. Ba pumbuka ka. Et ils se retrouvent. Sans argent, sans rien. Tu
Tama. Alléluia. Amen. L'impossible. Kozanga makoki. Le vocabulaire des humains. Ezali maloba ya bato na mokili. Mais il y a quelque chose encore. Donc en étant le comment on lit ça. Qui peut ôter l'impossible en toi? Oui, mais ko longola kozanga makoki kati na yo. Quelle nature? Moto azana balolenge mibale. Comme humain, et l'homme à la nature divine. Vous remarquerez, si je veux faire une prophétie, si je veux révéler une chose, la personne qui est près de l'autre, il dira, mais pasteur, il dit, ma comment le pasteur sait? Bon côté. Ah, c'est comme ça. Comment le pasteur est au courant de ces choses? Et ma camoufla passer à zone bizarre là. Vous passez là, il y a mon dingue. Et tout ce qu'il dit là, ça me concerne. Et comment lui il est parce courant? Que tu ne peux pas voir Dieu. Pour être yon coquitté comme on en zambé. Sans que tu aies la nature de Dieu. Ah, n'a pas zamba le lingue à qui vous zambé. C'est pour cela Dieu quand il envoyait Moïse. Mais à moi, n'a pas zamba zotin d'amont. Il ne peut pas envoyer Moïse comme tout homme. A quoi qu'il te continue d'amont, c'est le roi Moïse. Il dit Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Alors, bien, moi, c'est n'a pas zamba zamba. Dieu a déversé sa nature à Moïse. Moi, lui, pour le mettre en zamba, sopi le lengue ne kati na Moïse. La nature de Dieu est en toi. Amo le lengue qui vous zamba. L'impossible va se tourner possible. Kozanga makoki komi pesa makoki. Dis avec moi, j'ai besoin de la nature de Dieu. Robert, le moi n'anga nazo na posa le lengue en zamba. J'ai besoin de la nature de Dieu. Nazo na posa le lengue en zamba. L'homme. Moto dans les jardins quand il a perdu la nature de Dieu a bougé ça qui l'aurait mais il écoutait Dieu quand ça s'est écouté quand Zambé ouh il y a quelqu'un qui m'écoute ici aïe ça la moto moi zoyo kangaya moto na quand il a jardin a bougé ça qu'a bon Zambé à l'homme dans les jardins avait perdu ça ben kangaya yo kangate si amen yes l'homme moto ne perd jamais la nature divine. A coquille jamais vous allez le lingue. Mais le péché étouffe la nature divine. Parce qu'il est sous moi et simba qu'à le lingue à qui bon zambé. La marque de communion étouffe la nature divine. Kozanga boyo kanye simba qu'à le lingue à qui bon zambé. La Bible dit. Mais moi la Bible dit. Je ne serai pas pas de ses dons ni de ses appels. Zamba bon moi n'a qu'à te la macabona yéte la nature divine en toi. Le lingue à qui bon zambé. Quand elle commence à croître. T'as moi bandit kokola. L'impossible se tourne. Regarde la personne qui est à ce côté. La moussa nature divine la vinaï. Réveille en toi la nature de Dieu. Tu peux toucher la personne qui est Simba moto aza pembeni na yo. Touche-lui. Simba yepe loba. Simba yepe loba. Touche-lui. Simba yepe loba. Regardez. Tala. La Bible déclare que l'ange s'est présenté au sixième mois. Biblia le bien de moi, je lui ai mis mon isaki na sanza ya moto. Pourquoi il ne s'est pas présenté au cinquième mois? Pour la nia yaki na sanza ma kamola. Tu es à Jérusalem. Matin à Jérusalem. Tu vas te voir avec Elisabeth. Le yo kokuta na Elisabeth. Elle est veille. Ben, pour la mouki. Mais non, mon moment, dans ce temps que je suis en train de te parler. Nathan, moi, la zolo banayo. Elle est grosse. Yé pas dans la mokumba. Ça y est, my God. Sortir de Bethléem. Kobima na Bethléem. Y arriver jusqu'à Jérusalem. Bona kokoma na Jérusalem. C'est 110 km. Ah, et dans la komotouya motango pona kotambola au baby. C'est pour dire pour marcher, il faut 4 jours. Pona kotambola ensima mikolomini. Mais Marie est sortie. Et de Marie a bimi. Dieu a permis que ça soit au sixième mois. Parce que ce n'est qu'au sixième mois que l'enfant prend la forme d'un enfant. Ce n'est qu'au sixième mois que l'enfant commence à donner des coups à sa maman. Ce n'est qu'au sixième mois que l'enfant commence à perdre la force. A l'enfant a la capacité. De écouter la voix de sa maman. La maman dit, reste calme. Maman le dit, l'enfant te levante et il écoute. Moi, qu'est-ce que je te dis? Yango na zolo bana yo. C'est pas une chose
spirituel. Ah, exactement, maman Moli, moi. Qui ont des enfants. Maman. Maman. J'ai entendu même le voix de son papa. L'enfant bouge, sa maman dit reste calme. Et l'enfant reste calme aussi. C'est pour dire le sixième mois. Avant que ce soit le chiffre de l'homme. C'est aussi le chiffre de la visitation de Dieu. C'est le chiffre de la confirmation de la promesse. C'est qui devait certifier Marie a visité. C'est l'enfant qui a bougé dans le ventre d'Élisabeth. Marie a aujourd'hui, pendant que je prêche, il y a un enfant qui est dans ton ventre. Il bougera. Amen, je le reçois au nom de Jésus. Yes. Merci. Regarde la personne qui est à tes côtés, tu lui dis, soulève ta main. Le bas Seigneur Dieu. Colon Zambé. Aujourd'hui. Lélo. Confirme ma promesse. Kokisa et la kanangaï. Confirme la nature divine en moi. Kokisa le lenge yakibonzambe katinangaï. La troisième chose, et quand Dieu prend la démarche dans mon pour concrétiser l'impossible, il y a des choses qui se passent. La première chose, c'est le choix de la personne. Et la deuxième chose, c'est le choix du lien. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, Dieu m'a choisi et il va choisir encore là où il y a ma bénédiction. Merci, amen. Dieu m'a choisi et il va choisir aussi là où il y a ma bénédiction. Amen. Amen. Regarde la personne qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu m'a choisi et il va choisir l'endroit de ma bénédiction. Quand Dieu veut réaliser l'impossible, il ne choisit pas tout le monde. Il sélectionne parmi les sélectionnés. Ce sont eux qui vont jouer. Je prophétise que tu sois sélectionné cette année parmi les gens qui vivront la bénédiction. My God! Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent dans cet endroit? Nous sommes nombreux dans la famille. Nous sommes nombreux dans la famille. Nous sommes beaucoup. Dans ces nombreux, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. J'annonce, si tu es David, tu étais dans la puce, je suis venu comme prophète Samuel, te faire sortir, parce que tu es un sélectionné de Dieu. Vous savez, en Angola, il y a des gens qui ont fui l'Angola pour la crise. Il y a des gens qui ne veulent plus de l'Angola. Mais nous la crise. Or, nous, avec la crise, nous sommes en crise. Avec la crise, on voyage. Il y a des gens qui me demandent, tu voyages en business class. Merci. Je ne prêche pas pour que tu me donnes l'argent. Je te prêche premièrement pour que tu crées une révolution. Et que tu domines la terre. Et que tu prouves que tu es un Dieu vivant. Et toi, c'est tout dans un babo moi. Amen. Merci. C'est profond ça.
My God. Avec la crise, on a vécu. On est béni. Parce que la nature divine ne confesse pas la crise. Ah, parce que la nature divine de Dieu ne confesse jamais la crise. Ta vie un voleur. Même si on l'attrape, elle ne fera jamais son travail parce que c'est ça. Moi aussi, je suis comme un voleur de Jésus. Même si tu me dis voleur, je reste fidèle à cette personne qui dit et qui fait. Alors, ça veut dire dans le monde, il y a deux fruits. Deux fruits. Ces deux fruits-là, et c'est de la même façon. Ils grandissent de la même façon. Ils se produisent de la même façon. Ils meurent de la même façon. Ah, mais c'est différent de goût. Ouh. C'est profond. Tu connais, c'est quoi le fruit? Ah, c'est la tomate et le piment. Ouh. Ils commencent tous vertes. Après, ils deviennent rouges. Ah, et tous ils meurent dans le. Tout est. Ah, est-ce que tomate, la tomate réussit? La nature divine s'active dans ta vie. Merci. Amen. Je le reçois. Yes. Votre pasteur est en Angola. Je le dis, moi je ne suis pas là. Parce que mon collègue est dans la tête. Regarde l'hôtel. T'as là, ici qu'il y a un là. Regarde le chauffeur. T'as là, mon kumbi, yo yo. Parce qu'on doit commencer à réaliser des grandes choses. Ah, c'est que tout comme un monde, ça m'a comme un mené. Là, il y a une zone qui m'a dit que l'église, tu crois pas l'église, tout ça, c'est la routine, il y a le même problème. Ah, moi je ne crois pas qu'on doit toujours tourner à rond avec l'église. Et puis que l'église a commencé, il y a que des problèmes. C'est pourquoi on doit prier, nous, le leadership, que Dieu sélectionne de bonnes personnes. Ah, il y a des personnes qui, quand ils rentrent à l'église, l'église ne marche plus. Pourquoi Jida devait quitter dans le 12 pour que les autres puisse faire avancer Christ. On doit démonter Christ sur la terre. C'est que les deux pimes, ça y est, sous la scène. On ne va pas toujours parler des Américains. Malamine était dans l'Obélaga, quand on a dit qu'il y a Américains. Notre défaut, les Congolais. Ah, demain, si l'autre commence à prospérer, tu commences à dire, il a touché. Ah, il y a non, cela veut dire que Dieu ne bénit plus. Cela veut dire que Dieu n'agit plus dans nos vies. Que de féticheurs qui agissent. Regarde la personne qui a tes côtés. C'est le choix du lien. Dis-lui, la deuxième. Je vais finir par ici. Alinasu qui s'en est si koyo. Maintenant que Dieu pourra faire un choix. Si selon la loi, Dieu ne peut pas faire le choix à Bethléem. Parce qu'à cette époque, il y avait trois cités. Il y avait la cité de Judée. Il y avait la cité de Jérusalem. Et il y avait la cité de Bethléem. Quand nous parlons de Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. C'est là où il y avait la loi. Selon la Bible. Celui qui devait naître. Comme il est sacrificateur. Il doit naître à Jérusalem. Tu comprends? Selon la loi, Jésus devait naître à Jérusalem. Jérusalem. À
qu'elle est Jidé parce que Jidé est la capitale où il va gouverner, va nato, va omérisse pas enfant. Ah, si on refuse même Jérusalem, pouvait naître à Jidé parce que là il y avait des sacrificataires, il y avait des gouverneurs. Dieu regarda. Alors, il sent qu'il y a Botami dans Jérusalem. Il s'est dit, si l'enfant naît à Jérusalem, impact il n'y aura pas de l'influence. Si Botami naît à Judée, si ce n'est à Judée, il y aura de gouverneurs. Ah, c'est nous qui nous sommes. Il y a l'enfant naîtra. L'enfant naîtra au même endroit. Pourquoi Nathanaël? Quand Philippe vient lui dire, quand Philippe voyait que nous avions vie, le monde nous avions vu. C'est lui dont la prophétie a été dite. Oh, yo, lisa, kole, bimaka, ponaye. Nathanaël a dit. Nathanaël a le dit. Jamais. Yeah. Aucune chose bonne. Et l'eau comment pour sortir de Nazareth. Je prophétise. Amen. Amen. Merci. Frappe la poitrine, dis-moi. Dans ma maison, ma petite maison là. Avec ma pauvreté là. Dieu viendra me rencontrer là. Dieu me rencontrera là. Dieu me trouvera là. Même si vous m'avez oublié, je suis David. Nazadaoui. Le prophète ne partira pas. Moussa s'il ne retourne pas. Je lance un défi. Contre les esprits familiaux. Contre les esprits de stérilité. Contre les esprits de limitation. Ces esprits-là, ils ne te seront pas vaincus. Parce que Dieu a élevé un panneau publicitaire. Dieu est en train de faire la vie de recherche. J'ai dit à quelqu'un qui est. C'est moi ne fais pas. La vie de recherche pour Dieu fera la vie de recherche pour ta vie. Dis à plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort un amen. Regarde la personne qui a demandé. Dis-lui au nom de Jésus. Moi je suis la tête. Moi, la vie de recherche. Dieu lancera un avis de recherche pour moi. C'est moi ne finira pas. Amen. Jésus. Jésus. Dieu doit lancer un avis de recherche pour ça. Merci de la Bethléem. Moi, la Botami. Un enfant est né. Oui, maintenant, il va se déplacer. Ah, vous savez qui s'est déplacé? Je te dis ce soir. Impossible, na yo, comme impossible. Na kozanga makoki na yo, kokoma makoki. Zamba kotse la yo, tu y a destiné na yo. Dieu mettra les gens de ta destinée. Adoyo yabate. Les gens que tu n'as jamais connu. Les gens que tu n'as jamais connu. C'est ça. Ma qui va te soutenir. Na zo yo kama chelele. J'entends des bruits. Yes, abotani. Ah, Jésus est né au même endroit qu'il est prévu. Mais il y avait des rois mages. Qui habitent les montagnes. Qui font des études des étoiles. Ils descendaient. Ils arrivent chez Hérode. Hérode dit, vous vous descendez jamais. Ah, nous nous connaissons qu'il y a des gens qui viennent vers vous. Vice versa. Ah, regarde la personne qui a de côté, dis-lui Mbongwana. Vice versa. Mbongwana. Vice versa. Mbongwana. Moi, je suis la terre. C'est moi ne finira pas. Oh, la batoba kanisaka et kosala ma terre. Yango et kosala ma pola. Amen. Ouh. Yes. Oh, il y a tout ni bango, hein. Rod leur demande, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors, il y a un roi qui est là. Qui place à Botami, allez-y voir. Si vous retrouvez l'endroit où il est né, quand vous voyez pour me dire. Ils virent l'enfant. Bah, moni moana. Ils sortirent le myrrhe.
Mais ma bimi les sikawana. Le mire, l'ensemble. Ma bimi si ensemble. Ils sont-ils des pierres précieuses? Ma bimi si ma banga est alors. Motobotami na zamba me bateau important bateau luka. Une personne qui est née dans la forêt mais des gens importants. Pour la peau la ville. Je prophétise pour toi. Placeo yo vanda. Là où tu es. Placeo yo botama. Là où tu es. Placeo yo korela. Là où tu as grandi. Placeo sala. Là où tu travailles. Bateau miné le bako luka yo. De grandes personnes viendront te chercher. Bateau miné le bako luka yo. De grandes personnes viendront te chercher. Téléma Ligolo. Lève-toi.